Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de présentation de VHS avec Anaconda. Let's go! Eh bien voici la VHS Anaconda que j'ai récupérée d'une armoire qui était tout simplement dans le salon. Et vraiment, cette VHS, je crois que à 5 ans, elle était dans la même armoire d'où je l'ai trouvée aujourd'hui. Et je l'ai regardée deux fois sur mon lecteur cassette avec mes parents pour manger à table. Et vraiment, à chaque fois que je le regardais en version cassette, je flippais ma race. Parce que le fait d'avoir, comme j'avais dit pour la première vidéo, comme le sort de game footage, là, bien les effets de téléviseur, là, bien noir, là, les trucs qui descendent, qui montent, les couleurs. Ça, je sais pas, ça me fait vraiment un truc, c'est vraiment flippant. Je sais pas pourquoi. Et bien, Anaconda a été fait en 1997 par Luis Loza. Et vraiment, c'est un des films de serpents les mieux faits. Et tout simplement, le meilleur de tous les films de serpents, je crois. Aussi, juste pour information, il y a une chanteuse qui est là-dedans. Il y a Jennifer Lopez. Donc, pour les fans, allez le regarder. Et va vous couper le souffle. Oh my god. Et j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que c'est que ça en fait. Oui, qu'est-ce que c'est que ça. C'est les yeux du serpent. Oui, je savais. Mais je sais pas si c'est une peinture, un dessin, des pastels, ou carrément par ordinateur. J'ai aucune information sur ça. J'aimerais vraiment savoir. En tout cas, si c'est un dessin, peinture ou n'importe quoi, c'est bien fait. Et bien, sur le côté, nous avons écrit Anaconda en rouge avec une ombre blanche. Et la tête du serpent, de l'anaconda, bien évidemment. Donc, en participation avec Columbia. Anaconda, son étreinte est mortelle. Donc maintenant, de dos, on voit les images là, un peu. Alors, je vais lire le résumé. Alors oui, peut-être pour la première vidéo, j'ai peut-être pas lu le résumé. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y en avait pas. Oui, ça me déconne, vous pouvez la regarder de nouveau. Il n'y a pas de résumé. Il n'y a rien de dos ni de devant, il n'y a rien. Eh bien, nous allons lire tout simplement le résumé tout de suite. Donc, pour réaliser un documentaire sur une tribu indienne, un anthropologue et son équipe de tournage se rendent dans la forêt amazonienne. En progressant dans le dédale de rivière, ils recueillent un énigmatique chasseur de serpents qui propose de les guider dans cette jungle magnifique et mortellement dangereuse. Ce périlleux voyage à travers une nature spectaculaire ravira les amateurs de frissons et les loisirs. Les effets spéciaux sont d'un réalisme mordant. John Boyd, Deliverance Hurt, est formidable. VSD. Mis en scène par Luis Loza, l'expert le plus terrifiant des reptiles, va nous clouer sur place. Maintenant, à l'intérieur. Hop là, donc la VHS. Oui, du coup, aussi le même problème. Là, je crois qu'elle n'a pas été rembobinée. Donc, je crois que je l'avais fini de le voir. Et du coup, elle est restée à droite. Que sur la massacre à tronçonneuse, elle était à gauche. Et je crois qu'à droite, en fait, c'est que il faut rembobiner pour que ça soit à gauche pour pouvoir le revisionner. Donc, pareil, hein, le même système pour pouvoir l'accéder à la piste. Vous cliquez sur le petit bouton à droite et vous pouvez ouvrir. Hop là, donc pareil, faut pas toucher la bande. Et bien voilà, donc couleur, version française, 1h25. Voilà, donc rien de spécial comme l'autre. Et bien voilà, et bien j'espère que cette vidéo t'a plu sur la VHS d'Anaconda. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo, donc n'hésite pas. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. À mettre des commentaires pour poser tes questions. Et tout simplement à t'abonner si t'as envie, c'est ton choix. Et bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut !